On est quelle date? Déjà? Mais ça fait combien de temps que... news du CIM. Salut la team et pardon pour ce long moment depuis les dernières news du CIM, mais effectivement entre mes activités professionnelles et RZ SimSit, je n'ai vraiment plus une seconde à moi, ce qui fait que j'ai été obligé d'espacer légèrement la parution de ces numéros des news du CIM. En tous les cas, on est dans le numéro 12 et au sommaire, on va parler de modding sauce F1 2018, de simulateur italien, du WTCR en virtuel, une grosse mise à jour Gran Turismo Sport et enfin du sport à la télévision. Alors modding tout d'abord, effectivement le studio RSS, vous le connaissez ce studio puisqu'il a déjà sorti pas mal de mods sur Assetto Corsa, notamment pas mal de monoplaces et plus récemment des GT. Eh bien ils reviennent avec cette fois-ci une Formule 1 à la sauce 2018. Alors une aéro complètement revue, un comportement pneumatique pour coller davantage aux performances exceptionnelles des Formule 1 2018. Et évidemment, un halo qui fait son apparition puisqu'il est désormais incontournable. À noter que je ne possède pas ce mode et que je ne connais donc pas les difficultés qu'il y a à conduire cette voiture lorsqu'on utilise la caméra pilote. Ça fera partie des curiosités à découvrir sur ce mode. À noter que RSS nous propose directement de télécharger sur son site les templates qui nous permettront de faire des livrets perso et ça c'est vraiment cool de leur part. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, leur shop est down et donc je ne peux pas vous donner le prix de ce mode, mais je suis certain qu'il restera très raisonnable puisque c'est dans l'habitude du studio. A noter, et c'est la première fois, que ce pack est sponsorisé. Alors évidemment pas par une marque de fromage apéritif comme pourrait le faire Forza, mais bel et bien par des simulateurs de Formule 1. La marque c'est Wave Italy. Ils sont situés à Maranello et proposent de véritables simulateurs comme on pourrait pratiquement en trouver chez Ferrari ou Red Bull. Grâce à eux, vous pourrez vous installer dans de véritables cockpits qui ont la forme d'une Formule 1, alors sans les ailerons, sans les roues, hein, comme on peut le trouver chez les véritables équipes. Mais la simulation se déroule sur trois écrans assez immenses, sur lesquels n'apparaissent que vos roues avant. La marque propose également un volant vraiment typé Formule 1, complètement copié sur ceux qu'on peut trouver dans les véritables voitures, et un pédalier qui nous promet d'avoir des réactions tout à fait hyper réalistes. Le volant, on le retrouvera d'ailleurs modé à l'intérieur de cette Formule 1 2018 proposée par RSS. Et si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre à Maranello dans les jours prochains, ce que je peux comprendre, il propose également un shop où on pourra bientôt acheter ce volant pour l'utiliser avec son PC. Ils vendent également le pédalier, comptez tout de même 1500 €. C'est un pédalier relativement haut de gamme, vous pourrez le découvrir sur leur site, il est vraiment très très beau. Race Room maintenant, vous le savez, le WTCC et le TCR ont fusionné cet hiver. En effet, le WTCC commençait à avoir un plateau relativement maigre et des courses assez peu disputées. Donc ils ont décidé de fusionner les deux championnats, ce qui devrait nous donner des courses bien plus intéressantes. Et Race Room n'est pas en reste, puisque vous le savez, depuis de nombreuses années, Race Room propose un pack officiel WTCC. Et donc, ils nous promettent la sortie de ce pack WTCR. On ne connaît encore pas le contenu de ce mode, mais on peut d'ores et déjà essayer l'Audi RS3 LMS TCR qui fera donc partie de ce pack et surtout qui donne le coup d'envoi de la compétition officielle comme l'année dernière. Une saison 2, cette fois donc autour du WTCR avec un fonctionnement qu'on connaît, des sélections en ligne en time attack, puis des finalistes qui sont réunis sur le Nürburgring pour effectuer une compétition en LAN. La compétition IRL aura donc lieu les 10, 11 et 12 mai au Restroom Café sur place. Et ce ne seront pas moins de 80 pilotes récompensés, puisqu'avec le système de division, les meilleurs de chaque division recevront une petite partie du prize pool qui est tout de même de 25 000 €. Ce qui est tout de même assez intéressant, même si on ne fait pas du sim racing pour gagner de l'argent, c'est toujours une petite cerise sur le gâteau. Elle arrive aujourd'hui, quoi donc ? La mise à jour 1.15 de Gran Turismo Sport. Cette assez grosse mise à jour offrira, oui offrira car elle est gratuite, 13 nouveaux véhicules, le circuit de Tsukuba, 3 nouvelles courses en GT League, un mode VR disponible désormais en contre-la-montre et quelques bricoles. À propos du mode VR, à noter que le pack PlayStation VR plus caméra est désormais accessible à 299 €. Ce qui ne donne plus aucune excuse aux possesseurs de Gran Turismo et de PlayStation 4 pour passer à la VR. Enfin, puisqu'on parle de Gran Turismo, précisons que C8, la chaîne, hein, pas la Citroën, C8 diffuse donc la saison 2 des eSport European League. Elle se déroule donc sur Gran Turismo et voit réunis 12 des meilleurs pilotes de la discipline. L'émission sera diffusée sur 12 semaines et nous verrons ces pilotes s'affronter donc sur Gran Turismo sur différents circuits, sur différentes catégories.
De plus, les courses sont commentées par les deux commentateurs de e-sport sur ES1 dans l'émission e-Race. Alors gros bémol tout de même, puisque l'émission est diffusée à 1h30 du matin, ce qui la rend pratiquement irregardable, d'autant plus que bon, regarder les courses à la télé c'est parfois un tout petit peu soporifique, ce qui fait qu'évidemment les audiences sont catastrophiques, on pouvait s'y attendre. Alors pour l'avoir tout de même, vous avez deux solutions, soit vous l'enregistrez si vous en avez la possibilité, soit, et c'est encore mieux, vous vous rendez sur le site www.eel.life et là vous aurez toutes les informations sur les pilotes, sur les courses, et vous pourrez retrouver les replays pour regarder tout ça à votre rythme. Voilà, c'est News du Sim numéro 12, c'est terminé. Je ne vous promets pas de revenir très vite, je fais tout ce que je peux. En tous les cas, l'actualité cette semaine vraiment se prêtait à faire une émission. C'est pour ça que j'ai quand même trouvé un petit peu le temps. Merci encore, merci d'être nombreux sur la chaîne. Merci de parler de tout ça autour de vous, de parler de moi, de parler d'RZ SimSits aussi, parce que c'est un peu ça qui me tient à cœur en ce moment. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce et puis on se retrouve très très bientôt sur la chaîne. Salut à tous, bye bye.